Salut, c'est Pierre pour mon coach de sax. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer Caméléon de Herbie Hancock. Si c'est pas encore fait, tu peux recevoir les meilleurs conseils pour travailler efficacement ton saxophone. Le lien est en description. Donc, Caméléon de Herbie Hancock, c'est un morceau phare, super connu si tu ne le connais pas. Et ce qui est cool, c'est que ça sonne vraiment super bien au saxophone. Et en plus, c'est pas trop dur à jouer. Bah, c'est quand même dur quand on commence, mais c'est pas le morceau le plus compliqué et c'est un très bon morceau pour apprendre le saxophone si on veut commencer à avoir des morceaux style dans son répertoire. C'est bien d'apprendre celui-ci. On va dire qu'il va y avoir trois phases, apprendre la première phrase, ensuite apprendre la deuxième phrase et la troisième qui est réservée plutôt pour l'improvisation. Pour la deuxième phrase, ça va faire, on va partir du ré aigu, ré, do, si, do, si. Donc on ne bouge pas le si bémol, on bouge juste ici la note au milieu. Alors comme ça, un petit peu galère de faire du si, do, si, fa, do, si, sol, si, do, si, fa, do, si, sol. Le mieux, c'est de jouer le do avec cette note qui est juste là. Donc le fait de faire un si bémol en rajoutant ça, ça va nous faire un do. Si, do, si, fa, do, si bémol, sol. Donc ré aigu, ré, do, si, si, do, si, fa, do, si, sol. Je fais une dernière fois, ré, donc le ré ici, do, si, si, do, si, fa, do, si, sol. Et après on enchaîne sur le sol, fa, ré, fa, sol, si, do. Et voilà, pour finir, on peut enchaîner sur la phase numéro 3 pour plutôt improviser. Donc, ce qui est cool avec l'improvisation, c'est que si tu arrives à faire bien les phrases, les deux premières phrases, l'improvisation, en fait, tu vas pouvoir te servir directement de ces notes-là pour improviser. Donc, c'est bien les notes qui sont dans la gamme. Donc, ce que je te conseille, c'est tout simplement d'essayer de faire refaire les phrases que tu connais désormais et d'essayer de faire un petit peu des variantes. Voilà. Et plus ça va, plus tu pourras faire des improvisations un peu plus grande, avec plus de notes et qui seront vraiment différentes et de plus en plus stylées. Thank you.
dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une question, j'y répondrai avec plaisir. Salut, ciao, ciao, à bientôt.